Les années passent, et Geneviève de Fontenay est toujours en forme. Le 30 août dernier, l'ancienne figure de Miss France fêtait ses 89 ans. Pas question, cependant, de lui souhaiter un joyeux anniversaire. Depuis ses 80 ans, elle ne veut plus qu'on le fête parce qu'elle ne comprend pas qu'on célèbre le fait qu'elle ait un an de moins dans sa vie, rire, du coup. On le fête le jour de la Sainte Geneviève, le 5 janvier, explique à Femme Actuelle sa petite fille. Adèle. Autre chose que Geneviève de Fontenay refuse catégoriquement, le vaccin. En avril dernier, Adèle et Agathe, une autre petite fille de la dame au chapeau, s'inquiétaient dans France Dimanche de cette situation. Je ne sais pas si elle se rend compte du danger. Elle pense que ce n'est pas nécessaire, déplorait-elle. Sur son compte Facebook, Geneviève de Fontenay répondait à ses petites filles. Je suis en pleine forme. Je n'ai pas de médecin. Lui-même est décédé, écrivait-elle sur le réseau social. 4 mois plus tard, et malgré l'instauration du pass sanitaire et la campagne vaccinale portée par le gouvernement, Geneviève de Fontenay s'affiche toujours en résistante à la vaccination, comme l'explique Agathe. Toujours à Femme Actuelle. Elle va très bien, pose-t-elle d'abord en préambule. Seulement, ça devient compliqué avec le pass sanitaire parce que ma grand-mère refuse de se faire vacciner. Elles ont beau avoir insisté, Geneviève de Fontenay est inflexible. On a tout essayé. Il n'y a rien à faire, elle ne changera pas d'avis, regrette Agathe. Elle est têtue. Quand elle a une idée, c'est compliqué de la faire changer d'avis. Têtue, Geneviève, on n'aurait pourtant pas cru.